Hey, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Empire mongol pour devenir le Genghis, le Gankiskan, le Gankikaran, le Gankarakan, le truc grand qui est cool là. Voilà, le plus grand des camps, voilà. Je suis accompagné de Favali. Bonjour à toi, Favalius. Favalius, 6, premier du nom. Non, c'est le sixième, mais c'est pas le premier du nom. Qui devra enfin C'est créer la déjà Mongolie, mais 6. bon, il faut être illustré que bon, on va enlever la pause. C'est parti. Let's go. Bon, Être voilà. illustre, Et je suis. comment on peut faire pour gagner du prestige? Oui, moi je veux gagner du prestige, s'il Et vous je plaît. suis. On est accompagné Commander des ensemble gâteaux. de Qui-Opportunité, le Khan de Buriati. Parfait. D'accord, qui opportunité? Ah oui, c'est bon, tu changes de nom tous les jours. Exactement. À chaque Let's live, go, j'espère que t'es prêt. Hein. la Chaque guerre. vidéo, tu vas changer de live. Bah, Quoi, une guerre? Ah, je suis bah. invité à défendre mon allié pour la guerre contre Kyo. Je pense que je vais défendre, Pourquoi tu hein. voudrais défendre? Est-ce que tu as Pourquoi pas? vraiment Mais envie de. si je refuse, je perds niveau prestige. Bah, tu peux accepter et ne pas Pourquoi t'attaques ce participer. pauvre. Il voilà, attaque les pauvres paysans. Kyo est notre ennemi depuis toujours. On l'a toujours su. Je devrais défendre mon allié, mon ami, Oh, tout de suite. face à la terreur du Kyo. La terreur du Kyo. C'est fini, les alliances. C'est fini, l'amitié. Je trouve quand même un peu dur, quoi. Mais bon, c'est mon seul allié. Tu le manges. Mais non. Oh là 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 là, tout de suite. Prends tout son territoire, c'est mon seul allié. C'était mon seul ami. Bon, Purée, je dois le j'ai défendre. vraiment fait le pire, la C'est pire vrai, invitation j'en reviens, d'allié hein, de tous désolé. les temps, quoi. Mais c'est vraiment mon seul allié, j'ai pas envie de le perdre. Mais non, mais t'inquiète pas, C'est il. Kyo. C'est fini. Et tout va bien se passer, tout va bien se passer. Je prends juste les territoires qui me reviennent de droit, c'est tout. Tu ferais exactement la même chose à ma place. Alors ma fille. Voilà, on va assassiner Kyo. Tout de suite, quoi. Je trouve que c'est un petit peu trop exagéré quand même, hein. Y a rien d'exagéré là-dedans. C'est pour ma gloire. Si je décide de ne pas envoyer mon armée, je perds ma gloire. Mais non, mais t'as pas besoin d'envoyer ton armée, t'as juste à Et dire si j'ai oublié, oui, parce que je si je défends. décline, c'est mort. Et même Mais si je t'as pas participe pas à la besoin de guerre, décliner, t'as juste à pas si participer je à ne la guerre. participe pas à la guerre que mon allié meurt, je perds tout le prestige. Et du coup, je perds un niveau de dévotion. Et je ne veux pas perdre un niveau de dévotion, vu qu'il faut que je sois illustre pour pouvoir conquérir le monde et conquérir Kyo. Alors non. Je suis obligé de l'aider. Mais non, t'es pas obligé. Si, Kyo. Mais non, mais non. Rançonnage. Kyo me demande de rançonner machin. Pour de l'or. Moi, ça me va très bien. Votre mère. Ah, c'est ma mère en plus. C'est affreux. En plus, t'as emprisonné ma mère. C'est affreux. Et tu me fais payer 20. 20 d'or pour ça. Mais c'est terrible cette histoire. Quel Mais monstre. tu vois le niveau que t'es arrivé? Il y a un trop grand écart entre nous maintenant. On ne peut pas. Plus personne n'a confiance en l'autre. Mais il n'y a pas besoin d'avoir confiance. Il suffit juste de me laisser faire, c'est tout. Non, mon allié! Non, ne meurs pas! Cours, petit, cours! Ah, regarde. C'était mon frère, que champ de bataille, il vient de mourir! Mais non, Quel c'est reste juste d'études un de ma famille! mercenaire. C'est un C'est mon vulgaire cousin! mercenaire. Qu'est-ce que tu oses dire? Il travaille, lui travaille et gagne loyalement sa vie! C'est affreux de dire ça. C'est un vulgaire mercenaire. Non, c'est mon frère. De suite. Oui, des territoires libérés. Et ça y est, bah tu vois, purée, à l'occasion que tu as, ça y est, tu dévales sur mon territoire et tu veux tout Défends mon conquérir, quoi. allié. Oh là 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 là, vous avez vu ça quand même? C'est mon allié.
Pour faire un beau titre. C'est ton allié, c'est pas ton allié. Il t'aurait planté un couteau dans le dos, quoi qu'il arrive. Oui, t'as vu, ils ont vu. Le spectateur a dit, oui, j'ai vu. Mais il y a personne qui voit quoi que ce soit. Kiyo attaque Favali, ça tourne mal. Voilà, prochain titre. Okay. J'appelle pas ça... Et vraiment, Kiyo opportunité, je pense qu'il tient bien son nom, quoi. Oh là là. C'est bon, on arrive, on est 21 000, moi j'ai mes soldats. Allons défendre mes alliés. C'était peut-être pas une bonne idée, cette bataille. Pour la liberté. Ah, c'était pas une bonne idée. Si, c'est une bonne idée. Ouais, c'était pas une bonne idée. Oui. Vite, il faut que je parte. Meurs. Mais vous avez vu comment il est avec moi, quoi? Mon dieu, mais moi j'essaie juste de bien m'en sortir. J'ai toujours pas participé à la guerre. J'ai toujours pas participé à la guerre. T'as toujours pas participé à la guerre. Non. J'ai juste passé avec mon armée. On passe dans le coin. On a rien fait. Ça va pas se dire. Oui, bien sûr. Même pas rentré au champ de bataille. T'as assiégé et pris Holcon. Je suis désolé, t'as participé à la guerre. Arrête de mentir comme ça. D'accord, d'accord, je reconnais. Voilà, je reconnais que j'ai dû aider un pays asservi par ton un ta pays, tyrannie. Il n'est pas asservi pour le moment, il est indépendant, il est juste en guerre. Il est juste en guerre, il va finir asservi. Il n'est pas asservi encore. C'est terrible cette histoire. Ah là là. Qui opportunité. T'es vraiment de mauvaise foi, Favail. J'ai rien fait, j'ai renvoyé mon armée, regarde. Elle est rentrée à la maison. La mauvaise foi est légendaire. Donnez-moi des cadeaux. Elle est rentrée, voilà. Mon armée est rentrée, t'as pas de plainte, voilà. J'adore les cadeaux. Oui, libérons les peuples opprimés. En plus, c'est occupé tout seul des mercenaires, je pense, j'ai plus besoin d'aider. Il y a aucun peuple opprimé. Si. Ah. Recruter des spécial plaisirs plaines. Des spécialistes des plaines. Ah, oh, c'est bien ça. Là, non. Alors, le problème, c'est que 31 jours... Consommer un gâteau. Je pense que c'est bien. C'est bien mieux, ça. Accusation sans fondement. Mince, j'ai perdu son piété. Bah, tu vois. À force de dire des bêtises... Guerre de paysans. Organiser un banquet, commander un artefact. Les mercenaires, ça coûte cher. Hein. Ouais, on est bien d'accord. Ça va être terrible cette histoire. Faut pas qu'il prenne une dame. Terrible. Ça se retourne contre moi cette situation quand même. Je suis même pas là. Je sais même pas. J'aurais pu rester assiégé, bah non. Oh putain. Ok. Alors je peux emprisonner quelqu'un. Ok, ok. Alors c'est vraiment pas terrible ce qui se passe, mais pour le moment ça passe. Il me faut un nouveau médecin de la cour. Ça va être toi. Il est dégueulasse, mais c'est pas grave. Voilà, bon. Il a pas fait les études de médecine, non? Non. Comment est-ce que dans je peux m'en sortir? Il a appris où? Son brevet. Namsa, c'est qui? Namsa, c'est mon intendant. En avant. Allez, je veux bien que mon intendant devienne... Alors. Je veux bien arrêter la guerre si tu me payes. Le cap, ouais. Ce chantage. Tu veux combien? Non, je veux rien, t'inquiète. Ah, ma femme est morte. Parce que moi, je suis prêt à payer. T'inquiète, t'inquiète. Paiera par ta mort. Quel livre. C'est pas un prix que j'accepte. Bizarre. C'est vraiment bizarre. Attends. C'est pas une génie. Hein. C'est bon, les paysans sont terminés. On a plus de 4 paysans. Ouais. Avare à tout prix. Sur défensif. Centre défensif, c'est bien ça. J'en avoir besoin apparemment.
Bon, on y retourne. J'ai mon allié qui arrive pas, c'est ça le terrible. C'est Il est que U. perdu, je pense. C'est quoi? Il est coincé avec le bouchon. En fait, J'arrive U, pas à passer. il est en train de se faire défoncer, en fait. Pourtant, U, ils sont censés être forts, les gars de U. U. Bah C'est oui. U. Ah oui, c'est Bah, ça, le U, royaume mince. de Ah, U. oui. Il est un peu loin, quoi. Ouais. Ils sont censés être forts, ces gars-là. C'est censé. Bah 400 oui. hommes. Mais là, ils sont pas forts du tout. Hop là. Son génie sera nourri. Ma femme est de nouveau enceinte. U pour un, U pour tous. Voilà. C'est bon, je vais pouvoir gagner du prestige et des troupes Mince. supplémentaires. Hop là. Un trône d'excellente qualité, parfait. Pour un roi, excellent. Exactement. Trône Barga plus 0,15 de prestige par tour. Excellent, excellent. Excellent. Conquête comtale de Shishan. Ah, il me faut de l'argent. J'ai gardé ça correctement. Ma femme n'est toujours pas influencée. C'est terrible cette histoire. Ma femme veut pas être influencée. Je vais essayer de la Et séduire tout de suite. il faut la laisser tranquille. Alors, si je j'arrive pas à l'influencer, je la séduis. Allez, on va libérer les peuples ruinés là. En avant. Soldats de la Horde. Déjà au moins libérer notre capitale. C'est le délire, l'Empire. Oh là là. Il y a des guerres dans tous les sens. T'as vu ça, L'Empereur, il se fait c'est n'importe attaquer. quoi. Je suis Non, en guerre l'empereur contre ça va, Io. mais. Mais non, mais. Il Tu as comprend plus quoi. décidé d'être en guerre contre moi, c'est. J'ai pas décidé. Je suis obligé. Mais il comprend pas. Si j'avais décliné la guerre. J'aurais perdu un niveau de dévotion, en prestige. Je décline, ouais, je sais que tout pour être illustre, pour pouvoir enfin déclarer la guerre, et non. Et ben non. Mais c'est pas grave, hein. Je suis. De toute façon, j'ai l'habitude que tu me. Que t'aies envie de me poser problème comme ça. J'ai l'habitude. Ah, il y a un anglophone, je comprends rien, désolé. No speaking Kyo, tu peux l'aider? Je sais pas c'est qui. Oh, can I play to you? No, it's a multiplayer for two player only. Sorry. But hey, welcome to you, and I hope you will have a good time. N'importe Yes, we quoi. are French. Qui va la C'est pas rescousse? possible. C'est pas possible, on est mal. Tu vois? Je t'aide pour l'anglais et puis bah tu m'aides pour ma bataille. Mais je viens même pas dans la guerre. J'ai envie de désassiéger la capitale que ma capitale, moi, tu m'as pris. Je ne prends pas ta capitale. Ce n'est pas moi T'es qui ai sûr? pris Oh ta non, ils capitale. arrivent. Les glandus, ils approchent. Ce que je veux, c'est enlever mon armée. En tant que bilingue, ça me donne envie. Hein, envie de plus. Bribre. D'accord. C'est bribre, je dois. Bibre. Secours, Kyo. Oui, que se passe-t-il? Que Il se y a une passe-t-il? armée de glandus qui s'en porte. Alors, est-ce que je dois être charmant? Ou je vais l'approcher comme le ferait un ami? Ça me paraît pas mal. Voilà. Sauf qu'en fait, je ne suis pas un ami, je suis Kyo! Vivre. Elle est enceinte, parfait! Vas-y, passe pas par cette armée, ne passe pas figé quoi, cette armée. Chez lui, mais. Arrête de faire semblant que t'es en guerre, tu veux juste me détruire, c'est ça? Non, je suis vraiment en guerre. Je prends Pourquoi des tu choses t'attaques quelqu'un qui stratégiques. est même pas là? T'es pas en guerre avec lui, qu'est-ce que tu fais après? Mais Il y a personne pour défendre!
Il n'y a personne pour défendre, je suis d'accord. Mais alors pourquoi tu squattes là, tu fais semblant? Non, je fais pas Ah, c'est une semblant. simulation de Je guerre en fait. fais ce que j'ai à faire. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Allez, vas-y. Alors, je suis à ça de me dire que ça en vaut-il la peine de rester avec Kyo? Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vaut pas la peine de le défendre. Mais laisse mon allié à 2000 hommes, attends, il passe à côté de mes ennemis. Ça ne dirait pas attaquer mon. Mais laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Il va être utile pendant quelques secondes. Il va m'aider à attaquer les autres qui m'attaquent. Bah, de toute façon, là, il va être plus concentré sur cette guerre-là plutôt que sur la tienne. Parce que il est T'inquiète. impliqué dans une guerre directe qui l'implique lui. Je me décale en tout cas, j'ai pas envie d'attaquer tes troupes. Ouais, c'est cela, c'est cela. Ben non, c'est contre-productif. Productif. Moi, ouais, c'est. Tant que. Je pense qu'on n'a pas la même vision du productif. Ben, je sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec tes troupes. Ouais. Moins 95, une guerre comptable pour rien, quoi. Il n'y a plus de Prochaine royaume, c'est débile. danse. L'Empire est mort. Promenade dans les jardins, un peu de nourriture, une danse. Danse de quoi? Une De la pluie? danse, oui. Et nous avons une soirée, on a passé une soirée incroyable ensemble. D'accord. Tant mieux. Et j'ai une nouvelle fille, parfait. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Zanzima. Je vais éduquer mon enfant. Mon fils est héritier du joueur, 1 an. Ah, une paix blanche déjà, c'est bien ça. Fuck. Ah non, c'est bon, ok, nickel. Courez. Faut que je prenne ce territoire-là, mais c'est 18 mois de siège. Alors, j'accepte. On s'est engagé en des guerres. 50 guerres Des... déjà. Oui, c'est clair. Purée. T'es où, toi? En Russavie, en Urjama. C'est loin? Ouais, c'est loin. Hein. Unis par le mariage et maintenant par le cœur. Quel poète. Et j'aimerais bien être uni par ces troupes aussi. Là, on recrute une nouvelle armée pour faire face à Kyo, l'envahisseur. Kyo, opportunité, n'aura pas l'opportunité de faire d'avancer plus loin. C'est qui? C'est mon chancelier? Oui, ça me va. Paix blanche, je pense qu'honnêtement, y a Ouais. des chances que je l'accepte. J'ai rien à faire, hein. Il est toujours en train d'assiéger lui tout seul. Je suis dans notre guerre, hein, si Oui, tu non, veux voir. je m'en fiche, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, défends-toi, il n'y a pas de problème. Je ne t'en veux pas, tu peux passer dans le coin, il n'y a pas de problème. Tu peux passer, t'as un libre passage. De toute façon, on est en guerre, je pourrais pas te l'interdire ce passage. Et actuellement, tu as plus de troupes que moi, donc t'es un meilleur commandant aussi. Voilà, du coup j'aurais pu t'exploser dès le début. Exactement. N'importe quoi. Dit comme ça. Cette guerre est coûteuse, mais finalement, quand on y regarde, elle est pas si coûteuse que ça. En fait, ça va, ça se gère. Si on utilise la tactique mongole, ça passe. Tactique, c'est quoi cette tactique? Bah, Parle-nous. Quelle est cette tactique mongole? taper. Taper, taper. Et si on tape et que ça passe pas, c'est qu'on n'a pas tapé assez fort. D'accord. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Constructif. Et par contre, purée, le duché de Philalopolis, là, il est loin. Je me demande pourquoi je me suis allié avec ces uluberlus. Pour taper. Oui, mais bon,
Ça tape pas très très vite, hein. Voilà. Après, j'aurai accès à ça. Et ça c'est intéressant. Ah ouais, c'est intéressant, intéressant. Un peu là. Oh là là. J'avais oublié les galères de début de partie. C'est toujours comme ça que ça se passe. Dans 8 mois, on prend son territoire. Déjà, ça sera fait. Tu vois, en plus, le chef d'Oda, il deviendrait mon vassal. Ça va? Ouais. C'est pas quelque chose de terrible. C'est terrible. C'est terrible. Combien de mois? 10 mois. Et eux, si je dois partir ou pas? J'ai un fils. J'ai un fils. Ouais, il faut que je retourne dans les montagnes. Cinquième du nom. Faut que je me refasse des troupes en attendant qu'ils arrivent. J'ai 1900 troupes. Parce qu'en plus, ils ont des commandants sympas, eux. Faut que je retourne chez moi. N'est pas quelqu'un qui se déplace vite. Non, c'est trop tard. Bon. De toute façon, là, ils vont essayer de reprendre le territoire, je pense. Si je reste du côté d'Uda, ça devrait passer. Ah, ils reviennent reprendre la capitale. Et si je me pose juste à côté d'Uda et que je les attends? Parce que là, ils vont se fracasser contre les murs. Tiens, on va apprendre ta langue, toi. Ah, mais ce que je pourrais faire aussi, c'est embaucher des mercenaires et y aller, quoi. Tout simplement. Aussi, oui. Et mine de rien, c'est une proposition qui m'allèche. Le Khan n'est toujours pas détruit. Hein. Le Khan Kharis. Oui. Parce que en fait, le titre, je crois qu'ils disent Khan, le titre comme toi là. Khan qui optimu opportunité. Quoi. C'est la Kagan. Non, c'est la Khatun. C'est la Khatun d'Ile qui tue que Kiki. Bah tu vois. Non, Kizi. Voilà. D'accord. D'accord. Oui, logique. Oui. Bien sûr. Parfait. Et je peux pas déshériter une personne de ma famille. Hein. Ça c'est quand même assez terrible. Terrible. Bon. Pour le moment, ils ont tous 450 d'or. Qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Oh purée, enfin un contrôle comptable d'assuré quoi. Purée. Même avec un sénéchal, ça monte, mais à une vitesse absolument lente. Hein. Je devrais avoir 2700 hommes. Oh purée, j'ai eu des jumeaux. Ada et. Okay. Est-ce que ce jumeau est bien? Non. Donc du coup, il faut que je lui donne des territoires. Bah tu vois, bah, je suis obligé de conquérir ce territoire maintenant. C'est dans le royaume de Mongolie. Et moi, je veux prendre le royaume de Mongolie. Je pensais que tu voulais juste prendre le royaume d'Angara, quoi. Angara, c'est sur Angara. Ton chemin, tu vois. Parce que derrière, si tu prends Angara et Mongolie, moi, je ne peux pas m'étendre. Parce que là, t'es très bien parti pour prendre Angara. Ouais. Mais moi, je voulais prendre Mongolie. Bah moi aussi, je veux prendre Mongolie. Bon, bah on va se taper dessus. Voilà. C'est tout. Terrible cette histoire. À la fin, il n'en restera qu'un. C'est terrible cette histoire. Alors, qui prend Mongolie, qui prend pas Mongolie? Le royaume de Mongolie, de toute façon, il n'est pas encore fondé. Il faut 17 comtés minimum. Ah,
Oh, ils vont carrément à ma capitale, ils sont trop mignons. J'espère que j'aurai le temps. Ah non, ils viennent pas à ma capitale. En fait, ils passent par derrière, quoi. Ok. Oh, c'est pas une mauvaise idée. Moi. Bien sûr. Bah non, on s'étend n'importe comment, comme d'habitude. Prends un Bah terrain, pourquoi puis. t'attaques pas Ude Valley? Udvalley. Udvalley. Je sais même pas où c'est Udvalley. Bah c'est à Angari. Il y a Gorlog aussi qui est une cible. Je ne peux pas, ils sont trop puissants. Ah d'accord. Ils ont énormément d'or. Ah ils ont beaucoup d'or Ude Galley. Ah oui purée ils ont 210 balles. Après La plupart, ils ont tous 400. Alors bon. Sinon après t'as le voisin Karahuda qui est juste à côté de toi qui a pas d'alliés, qui a juste quelques hommes. 600 hommes. Et puis t'as un autre comté, bon deux alliés, mais 500 hommes, si tu le prends vite, c'est fini quoi. T'as des opportunités, hein. Elles sont là. Moi. Bien sûr. Mongolie. Mongolie. Et honnêtement, tu veux aller apprendre quoi en Mongolie? Genre, Okutai, enfin Okuten, bah s'ils ont des alliés quand même. Oui, mais non, ça va en fait Okuten. Enfin, Okuten, ils sont quand même extrêmement puissants. Tes voisins du sud à Ankagai, en fait, ils sont extrêmement puissants aussi. Ils sont alliés, ouais, ils sont alliés. C'est vrai que c'est un gros morceau quand même la Mongolie. Hein. Maintenant que tu m'y fais penser, il y a Bulagal qui serait pourquoi pas, mais. Pourquoi pas Ogrash, mais même ça, c'est vraiment pas évident, effectivement. C'est vrai que la disposition stratégique est plutôt. Compliqué vu qu'on est au même endroit. Il faudra bien un gagnant et un perdant. Bah, perdant, peut-être pas, mais en tout cas, c'est sûr, il y aura un gagnant. Ce sera qui pour toi? J'en ai aucune idée. Pour le moment, je ne fais que dérouler mon catch. Déroule ton catch, tu veux. C'est ça. Bon bah du coup je m'étends vers où? Parce qu'il faut bien choisir. Si t'as envie je peux prendre le royaume. Bah, je m'étends vers les royaumes que déjà. Les royaumes des steppes quoi. Vraiment step. Bah, fais comme tu le sens. Parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est pas évident, quoi. C'est vrai que nos voisins sont alliés un petit peu à n'importe qui. En vrai, même si t'as envie de prendre une partie de la Mongolie, n'hésite pas, hein, j'ai envie de te dire. Moi, je te disais ça, mais en fait, si tu trouves l'opportunité de t'étendre, n'hésite pas, hein. On trouvera bien un moyen de s'arranger par la suite. Là, c'est vrai qu'on doit monter notre influence, et c'est surtout ça en fait le truc. Oh non, mais c'est ce qui s'est passé encore? Je suis dans une guerre de tyrannie, mais non! Non, me dis pas que t'as accepté la re... t'as accepté de rejoindre la... Non, non! Purée. Voilà. T'aimes bien accepter ce genre de J'ai pas truc. accepté, moi, il me met tout seul. Bah en fait, tu reçois un pop-up qui te dit, ne laissons pas notre Katoun être tyrannique avec nous plus longtemps, tu vois. Et voilà, et en plus moins 100. Bah ouais, du coup là t'es en prison, c'est ça? Merde. T'as besoin, tu réussis à sortir sans perdre trop de plumes ou pas? Je peux te passer un peu d'or, je crois. Ouais, je peux te passer 37 balles au cas où. Non, c'est bon. Ok, bon, parfait. Ouf. Non, parce que sinon, il y C'est bon, allait je suis bien. une byzantine qui allait. Un truc byzantin qui allait Compte se une passer. faveur, c'est tout. Bon, ça va. Ça aurait pu être Et la faveur, c'est d'attaquer Kyo. pire. Ah bon, pourquoi est-ce que Monseigneur Lich voudrait m'attaquer? Oh, bonne question.
Ça va, tu gagnes ta guerre autrement? Pas trop coûteuse. Bon, c'est coûteux, mais Et là, pour en le plus, moment, ce ça fait des alliés. Ah oui. va. Ouais, il a ramené un allié en plus, ouais. Ce qui est extrêmement chiant. Mais bon. Pour le moment, ils sont loin. Et avec un peu de chance, si je gère bien, j'aurais pris tout avant qu'ils arrivent. Crime contre la couronne. Pourquoi? Attends, je refais. Bah, j'accepte, Non, non, non. mais il faut que je me libère pour contre une faveur. Bah, tu vois, moi aussi, je T'es en suis en prison. prison. Ah oui, t'es en prison toi aussi. Ouais. Moi aussi, je passe une faveur à Monseigneur Lich, du coup. Ok, bah bon, on est tous en prison, c'est ça? C'est ça. En vrai, j'ai un peu peur de ce qui va se passer. Ça veut dire quoi? Peur de quoi? De la situation actuelle. Conjoncture actuelle, on t'inquiète pas. Ah, mais ils ont des onagres, parfait, oui. Oh purée, ça va bien aider, ça. Vingt-cinq ans, ouais. Ah, j'ai mes alliés qui sont enfin là pour m'aider à prendre les territoires. J'espère C'est que ça bien. ira. Mieux vaut tard que jamais. Autrement. J'ai 8 mois pour tout prendre et ça risque de passer. Yes! Purée. Pause. Oh Enfin! non, défaite! Je vais te donner 200 d'or! Vas-y non! Non, tu m'as rien donné, je crois. Ah, je rigole! Voilà, donc c'est Abgai qui va hériter d'une partie de mon territoire, c'est ça? Donc du coup, il faut que je donne des territoires à Adai. Tu vas avoir Regardez-moi ça, ça! ça, Regardez-moi ça! ça. Je préfère pas regarder! Je préfère pas regarder ça! Hop, et du coup, il faudra lui créer le duché. J'ai le duché ou pas à lui donner? Non, j'ai pas J'ai de perdu duché. mon seul allié. Créer le titre. Mon seul allié. Il faut que je crée ce duché là. Il me faut Mon 125 seul d'or, ok, parfait. allié. Bon, compliqué cette situation. Mon seul allié. T'as intérêt d'accepter. T'acceptes ou pas? Accepter quoi? Attends, je suis en train de gérer une situation. Arranger des T'es où à fiançailles, refuser? attends, attends. C'est mon héritier, c'est ça? Ok. Elle est Amazone. Elle est Honnêtement, Amazone. Amazone quand même. risque consanguin, mais c'est des fiançailles normales. Ok, j'accepte. Et Amazone. C'est pas tout le monde qui est Amazone. Non, je suis content. Effectivement, c'est un super truc que tu m'as proposé. Il faut que j'en donne plus à mon héritier. Toujours plus. Alors, coup de Casbelli, moins 50% déjà. En fait, il faut que je prenne ce Partez en vache. territoire-là, mais le problème, c'est qu'il a deux alliés. Même si ça Tu va veux être attaquer quoi? rapide. Tu veux attaquer quoi? Shikoi. Ça risque d'être Chicoy. rapide, mais le problème c'est que. Est-ce que je tente quand même le coup? Chifkoy, c'est où Chifkoy? Juste au-dessus de chez moi.
Shuva. Shia. Shia. Shikoi. La vallée de Luda, voilà. Allez, je tente le coup. Faut que je sois rapide. Parce que eux aussi le sauront. J'ai trop d'enfants d'un coup. J'en ai trop. Bon. Ouais, je crois que j'ai été trop gourmand. Ah là là, la faiblesse du Kyo qui est trop gourmand. Qu'est-ce qui se passe? Monte. Trop gourmand. La gourmandise me ratatine. Ils sont 2800, ouais. La gourmandise est un défaut qui se mange froid. Qui se mange froid, d'accord. Qui se mange froid. Bon, ils ont 10 mois. Si je dois partir ou pas. Si je dois partir, dis à mes enfants que je les aime. C'est ça. Compliqué, hein, cette... Compliqué. Ah, mais si vous allez assiéger mes territoires, allez-y avec plaisir. Au contraire, moi, je n'attends que ça. Je tuerais bien mon enfant. Mais je peux pas, je suis honnête. Mais c'est mon enfant. Oui, mon enfant. Pourquoi est-ce qu'on me donne une concubine à 28 ans, je décline, je n'aime pas les concubines. Je préfère les vieux pots. Ah, d'accord. À chaque fois, tu l'as fait, celle. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, avoir des enfants de concubins, ça détruit aussi une partie de l'héritage, quoi. C'est terrible. Ouais, non. Mais si. Ah, j'ai bientôt fini. En 34 jours, tout est terminé. Et jamais. Mais... Et ils ont mis trop de temps à s'organiser, c'est trop bien. Un nouveau château. Ok, je fais un nouveau château. On va faire... Tu veux quoi, moi, le spectre? Une salle de rassemblement, un marché, un camp de guerre, une palissade? Un camp de guerre! Mais non, ils ont cliqué sur le bouton nouveau château. C'est-à-dire que je vais construire un nouveau bâtiment. Oh putain, c'est trop bien. C'est interactif, hein. Oui. Un camp de guerre, bien sûr. Parfait. Un camp de guerre. La guerre, la guerre, la guerre. C'est bien, hein. Je trouve ça drôle. J'ai un de développement dans ma capitale, hein. C'est incroyable. J'ai zéro de développement. C'est incroyable. Alors, inviter des soldats, stocker les sujets, mes bons et loyaux vassaux. Et mauvais vassaux. Pourquoi est-ce que je prendrais tout lorsque je peux... Enfin, un peu, pour, alors que je peux prendre beaucoup. J'y arriverai un jour, j'y arriverai. Donc toi, tu me détestes, toi. Je vais arrondir les angles avec mes vassaux. Il me faut... Arrondis les angles. Il me faut le duché de Luda, voilà. Pour pouvoir le donner à mon fils. Alors, le camp de guerre sera fini dans 5 ans. Tu auras ton camp de guerre. Ne t'inquiète pas. Qui ça, moi? Non, je parle à l'abonné qui a établi un camp de guerre. Ah. Du coup, c'est bon là les soucis d'érudition? Non. Faut encore que je lui en donne plus. En fait, faudrait que je lui donne un royaume, c'est ça en fait. Hop, voilà. Ça va être bien mieux comme ça, une bataille. Ouais, je pense que je vais devenir mongol. Ah bon? Ouais. Convertir à la culture locale.
La bataille ne se joue à rien. 300 hommes prêts. Voilà, parfait. Tout va bien. Et t'es je converti, retourne là dans ma capitale. Ah, il s'est converti. Le Kyo conversion. T'as envie de t'appeler. Kyo version, bah parfait. Ce sera le nom de mon prochain. Parfait. C'est parfait. Et il me faut ces camps de guerre. Et là, du coup, je peux déshériter mon fils. Un prétendant au trône. Ah, bien. Il me manque juste du prestige, évidemment. Parce que ça coûte race prestige. J'ai pas appris ta langue à toi. Un peu d'or, alors. Voilà. Tiens, ma fille. Attention, focaliser, c'est bien. Mais non, je dois l'attraper. C'est bon, belle alliance. Un nouveau allié. Des nouveaux alliés qui vont nous aider pour la suite. Bien joué. 16 navales. Tu vois, finalement. Vitesse déplacement, c'est utile. Oui. Oui. C'est incroyable. Et du coup, là, je recherche les casernes. Non, il faut les maths. Ah, purée, et puis en passant au Mongol, et ben, j'ai les onagres de disponibles. Oh, la chance. Bien. Trop bien, j'ai les onagres. Par contre, il me faut du prestige d'abord. Tu l'auras. Bien assez tôt, mon petit. Je serais un homme prestigieux. Prestigieux. Oh, on a gagné une masse. Une masse qui était cachée dans une grotte. GG. Là, j'avais pas demandé une couronne, moi. Je suis toujours pas ma couronne. Hein. Ouais, et ça coûte du prestige, ouais. Après, peut-être que je peux renforcer mon conseil. Oh purée! Ah, ça risque d'être difficile de guérir de ça. Ok. Là, la priorité, elle est de déshériter mon fils. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as quoi comme maladie? Bah, t'as qu'à aller voir. C'est pas très, ouais, c'est pas très rassurant pour l'avenir. T'inquiète. Guérir de ça, généralement, ça passe pas, quoi. Mais au Moyen-Âge, surtout. Hein. Surtout au Moyen-Âge. Oui, voilà. Ça n'a pas été pillé, ça, récemment. C'est-à-dire que je peux piller cet endroit. Ah, sauf si c'est peut-être dans l'Empire que je peux pas. Peut-être que si jamais je le fais à partir d'un territoire qui n'est pas dans l'Empire, peut-être que je vais pouvoir piller. Et hop, la horde continue à s'étendre. On va vers l'Europe. Nice. C'est vrai. Toi, tu vas en érudition, non? Tu vas en diplomatie. Oh, purée, t'as 8 en intrigue. Comment tu fais pour avoir 8 en intrigue? Alors que je suis une buse infinie en intrigue. Zéro. Je ne connais pas l'intrigue. J'ai toujours qu'il était quelqu'un d'honnête. Bah oui, il est honnête. Comment tu veux faire d'intrigue avec ça? Il nous faut un nouveau goûteur. Est-ce que j'ai un garde du corps? J'ai plus de sénéchal, encore? Est-ce que je suis au conseil? Ça va, j'ai encore un garde du corps. Un grand aumônier, est-ce que c'est intéressant? Quittable, j'accepte. Ouais. Poste de maréchal, j'accepte. Non! Non, en fait, tu m'avais viré de son conseil, c'est ça. Ah ouais, je sais pas ce qui t'est devenu. Yes. Oui. Ah bah non. Non, j'ai toujours rien. J'ai toujours aucun poste. J'en ai marre. Je fais que de dépenser. C'est deux fois que je dépense
du prestige pour aller faire une audience avec le roi pour enfin avoir le poste, je n'ai pas de poste. Ah purée. Il veut pas me mettre. Je sens que ça, il a cette personne va pas tarder à demander pardon. Attirer la révérence, c'est ça. Ouais, je fais que ça, mais bon, deux fois. Hein. Avec le même personnage, elle veut pas. Je comprends pas. J'ai essayé pourtant. J'ai essayé. J'ai donné de l'or, prestige. Et voilà comment on me remercie. C'est terrible cette histoire. Allez, je peux déshériter mon fils. Ah, des révoltes. Paysans. Et hop. Bah du coup, je veux pas d'autre fils, ma femme. Kyo, ça va être la fin de l'épisode. Déjà ? Ah, quand même. Bon, bah écoutez, les gars. Hein. C'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est Favali. Voilà. Vous avez tout s'est très bien passé, que ce soit pour toi et pour moi. Hein. Tu as quand même un gros territoire. Tu te balades aussi dans les territoires. Kouman et Kipchark et Sibir. Hein. C'est rigolo. Oui. Je suis partout. Oui, tu es partout. Je suis partout et nulle part à la fois. C'est ça. Alors, en tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode, les amis. Des bisous à vous. Et à la prochaine. Ciao. À la prochaine.